God. C'est que du haut de ma fenêtre à vrai dire. Jamais je ne lui ai parlé. Non pas parce que je ne voulais pas, mais le voir seul de jour en jour me laissait penser qu'il désirait rester en sa solitude. D'ailleurs, il n'était pas vraiment seul là pour les dires des gens. Mais comme moi, vous savez que les dires, les ragots, les commérages sont des choses à ne pas prendre en considération. Surtout venant de la part de gens qui, impertinemment, se moquaient de ceux qui auraient pu rêver à cet homme. Une chose est sûre, il a disparu dans des circonstances qu'il serait utile d'élucider. Check this out. Dans la nuit du 14 au 15, il avait disparu. Dans le quartier du port, nul ne s'en était aperçu. Certains points sont obscurs, sa disparition n'est pas claire. Une seule façon d'en savoir plus, élucider ce mystère. Ce mystère. Je me mets à mener mon enquête avec esprit de méthode 501. Mon unique code pour poursuivre ma tâche dans un destin déterminé. Grouper méthodiquement les indices pour vous démontrer la responsabilité des gens de ce quartier. Ne pouvant accepter la présence d'un étranger, en l'occurrence ce clochard, cet homme de tout soupçon, disparu de façon bizarre sans aucune explication. Je pense avoir mon idée, mais elle n'est pas fondée car il faut des faits, des preuves écrites, orales pour élucider ce mystère. Personne susceptible de m'aider éventuellement étaient ces gens résidant à proximité du banc. Ce banc sur lequel ils se rendaient chaque soir. S'il vous plaît, je recherche ce clochard. Non, jamais vu, il me répondit sans avoir pris le temps d'examiner la photographie. Impossible monsieur, vous n'habitez même pas à 100 pas des lieux. Vous aussi vous n'allez pas me faire croire ça. Vous êtes l'énième personne à qui je montre cette photo. Et comme les autres, vous répondez les mêmes mots. Vous vous rendez complice de cette affaire. Ok, mais ça ne m'empêchera pas d'élucider ce mystère. Au contraire, vous confirmez mes soupçons et vous ne m'orienterez pas vers une autre direction. La piste que je suis est celle que j'ai choisie. Je vous le dis en face, prenez-le comme une sorte de défi. Car je vais pouvoir démontrer toute la potable noire. L'hypothèse émise au début de cette histoire. Laquelle vous désirez savoir? Aucune sympathie, votre nom est sur mon répertoire. Stoppez toute hypocrisie, retournez dans vos affaires. Pour qu'à mon tour je puisse continuer à élucider ce mystère. Élucider ce mystère, élucider ce mystère. Sans la mes efforts allaient être trop récompensés. Nous étions le 22, la nuit venait de tomber. En plein centre-ville, je sortais du bar, il était précisément 23h15. Je pris chemin du retour pour rentrer chez moi. La rue était obscure, le noir complet, je n'aime pas trop ça. Seul sur le trottoir, du moins je le croyais. Jusqu'à l'apparition soudaine d'une silhouette qui se rapprochait. Surpris je le fus lorsque je m'aperçus que c'était celle d'un homme qui ne m'était pas inconnu. Abrégeons le suspense, vous l'avez deviné. Ne perdons pas de temps à dévoiler son identité. Il était l'homme que je cherchais depuis près d'une semaine. Mettons la chance de côté, parlons plutôt de veine. Surtout que nous allions connaître toute la vérité concernant sa disparition, mais laissons-le s'exprimer. Les gens comme moi n'ont pas leur place ici. Mais qui vous a dit ça? Les autres. Mais quels autres? Les gens du quartier. Moi, je croyais que je n'ai personne ici. Mais pourquoi? Mesdames et messieurs, je me tourne vers vous. Imaginez que la personne chassée, ce soit vous. N'auriez-vous pas le même dégoût, la même réaction? Même si cette histoire de bout en bout n'était que pure fiction. Car je ne l'ai pas vécu, mais je suis persuadé, plus que jamais, que des choses pourraient très bien arriver. Si il n'est pas trop tard, rien n'empêche d'agir. Car mieux vaut tard que jamais, c'est à vous d'y réfléchir.
Sony MC pour vous servir, vous servir. Élucider ce mystère, élucider ce mystère. Élucider ce mystère, élucider ce mystère.